Et bonsoir, bienvenue dans le Talk de France Info. Comment ça va le chat Désolé, on est arrivé un petit peu en retard. Voilà. Pour ne rien vous cacher, la console son était éteinte, donc on a appuyé sur tous les boutons et on a réussi à la rallumer. Comment allez-vous Très très heureuse de vous retrouver. On est ensemble du lundi au vendredi tous les soirs à 18h sur Twitch et euh, en podcast audio aussi sur les applications de, de podcast. L'idée c'est qu'on s'arrête sur un sujet d'actualité en général. Et puis, euh, on le décrypte, ce sujet, on vous l'explique avec des invités qui sont avec nous en plateau. Et puis, vous, ben voilà, le, le chat, vous êtes amené. Je vous invite à poser vos questions en direct. Vraiment, profitez-en. C'est pour ça qu'on est sur Twitch. Et, euh, et nos invités sont là pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi tout simplement euh, réagir. Voilà, pas forcément euh, poser des questions. Euh, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Manon décrypte. Hello les modos on a des modérateurs qui modèrent le chat. Et ce sont les modos là, qui disent Manon, Manon décrypte. Euh, Est-ce que vous avez une bonne hygiène Est-ce que, est que vous avez cette ref Non, mais vraiment, euh, je vais vous poser la, cette question maintenant à chaque, euh, à chaque intro de, de stream. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Alain Duhamel, hier, sur euh, dans, dans Quotidien, il a dit qu'il ne regardait pas de show politique sur Twitch pour des raisons d'hygiène. Voilà, donc tous les gens qui streament euh, du contenu sur Twitch n'ont pas compris, on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'Alain Duhamel confond Twitch avec Twitter euh, Twitch avec euh, TPMP, peut-être, ça commence par la même lettre après tout. Enfin voilà, vraiment, on n'a pas, pas compris. Alors Jean massy il a, il a fait une petite blague tout à l'heure sur Twitter, il a posté une cabine de douche, je crois. Enfin bref, voilà, peut-être qu'on peut qu invitera Alain Duhamel sur Twitch pour en parler et pour lui montrer que qu'on est propre sur Twitch. Non mais vraiment. Euh, autre chose, je voulais vous donner cette petite info. Est-ce que vous avez vu le bouton Home de Twitter aujourd'hui euh, C'est plus un petit oiseau bleu, mais un chien. Alors ce matin, on s'est tous dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, c'est le logo. Je, je vous l'explique, peut-être que vous avez le, le, la ref et, et la culture. C'est le logo du Dogecoin, donc c'est une crypto-monnaie américaine, dont Elon Musk a longtemps vanté les mérites. Et en fait, il est même accusé en justice d'avoir manipulé les cours de l'actif. Et donc, il répond un petit peu à la sauce Elon Musk, voilà, avec une petite blague euh, potache. Mais quand même, euh, pas sans conséquence, puisque le cours du Dogecoin a flambé de 30% et a gagné près de 4 milliards de dollars de capitalisation en moins d'une heure. Donc voilà, il y a des choses comme ça dans la vie euh, qui, laissent, euh, qui laissent dubitatif, on va dire. Euh, Manon a oublié ses lunettes. Non, j'ai des, des lentilles, voilà. Mais c'est pas le sujet. Ce soir, on va parler d'un sujet sérieux, voilà. On va se pencher sur le rôle euh, qu'a joué le cabinet américain McKinsey dans la campagne présidentielle 2017 d'Emmanuel Macron. Alors, vous le savez, la justice, ou peut-être pas, mais je vous le dis, on vous le redira. La justice est en train. Euh, pardon. Je demande simplement à nos petits amis en régie que je vous entends. Pardon. Euh, vous le savez la justice est en train d'enquêter là dessus il y a deux informations judiciaires en fait qui ont été ouvertes en octobre dernier elles ont été ouvertes par le parquet national financier on appelle ça le pnF. Euh, voilà dans, dans le jargon. La première information judiciaire, elle porte sur des soupçons de financement illégal de la campagne. Euh, donc, des consultants de McKinsey sont suspectés d'avoir travaillé gratuitement pour le candidat, alors que leurs prestations auraient dû être rémunérées. Et la deuxième information judiciaire, elle porte sur des soupçons de, fav de favoritisme pardon, pour déterminer si McKinsey a obtenu, en fait, en échange de ses prestations, des contrats public de manière indue. Donc si on vous parle de ça aujourd'hui, euh, c'est parce qu'en fait la cellule investigation de Radio France euh, a révélé de nouveaux témoignages. Voilà, ils ont été publiés ce matin. Peut-être que vous les avez déjà vus passer ou entendus à la radio. Parmi eux, une ancienne de McKinsey qui explique pourquoi, selon elle, ce travail aurait dû être facturé et déclaré. Également, un ancien membre de l'équipe d'Emmanuel Macron qui raconte lui aussi, sous couvert d'anonymat, euh, le rôle, par exemple, de Karim Tajeddin, l'un des directeurs associés seniors de McKinsey. On va vous, vous expliquer un petit peu plus en détail euh, qui c'est. Et donc, euh, la cellule investigation qui révèle aussi que des perquisitions ont eu lieu il y a 15 jours chez l'un des dirigeants de mckinsey et chez un ancien proche collaborateur d'emmanuel macron. bref ce soir on va faire le point sur, sur cette enquête avec géraldine. Allô, bienvenue bonsoir bonsoir, bonsoir non bonsoir à tous ça va bien ça va bien. Géraldine Allo, tu es journaliste à la cellule investigation de Radio France, et donc toi qui a publié euh, ces nouvelles, euh, ces nouvelles révélations. Euh, Est-ce que, si ça te va, avant qu'on parle en détail de ton travail, des nouveaux témoignages que tu as pu recueillir, tu veux aussi nous, si tu as envie aussi peut-être nous parler aussi du travail d'enquêtrice. De, Est-ce euh, que ça te va, euh, si on commence un petit peu par les bases? Euh, on peut peut-être déjà commencer par expliquer ce que c'est McKinsey, si on part vraiment du, du oui, début. Parce il, y a, il y a beaucoup de fantasmes hein, autour de, de McKinsey, c'est devenu un petit peu un, un mot valise. Ouais. McKinsey, c'est un grand cabinet de conseil en stratégie. C'est l'un des plus gros, 30 000 salariés dans le monde, euh, 800 collaborateurs en France. Ces chiffres, ils ont longtemps été tenus secrets, puis on les a demandés euh, cette semaine quand on leur a dit. Euh, euh, qu'on allait publier une enquête, et ils nous ont dit bon ben, on a 800 collaborateurs donc c'est okay. déjà pas mal d'avoir cette information là. Je savais pas que c'était secret. Voilà bah ils, ils sont très 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 secrets ils communiquent très peu, ils communiquent pas sur leurs clients, ça c'est dans leur voilà dans leur statut, euh, ils communiquent peu sur leur euh, sur leurs effectifs. Donc on a ce chiffre de 800 collaborateurs et puis c'est euh, voilà c'est c'est un des cabinets qui est le qui est les plus prestigieux, qui recrute vraiment le des gens qui ont fait énormément d'études, des écoles très prestigieuses euh, Polytechnique, pont et chaussées, les mines. Euh, voilà, et donc forcément, pour certains qui ont fait ces écoles-là, travailler chez McKinsey, c'est un peu le Graal. On est bien ouais. payé aussi chez McKinsey. Donc voilà, McKinsey fait du conseil en stratégie. Et en stratégie, euh, en quoi il bah, y, euh, y a plusieurs secteurs chez McKinsey. Il ouais. y a le secteur de la défense, il y a le secteur public, donc c'est le fameux secteur où travaillait euh, Karim Tajeddin dont, dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'occupe des contrats passés avec les administrations. Euh, voilà, c'est du conseil dans, dans, dans plein de domaines. Et en fait, c'est d'après l'ancienne consultante de McKinsey qu'on a rencontrée, euh, il y a des gens qui sont à la fois très généralistes et très pointus. Okay. Euh, et donc, ont des cerveaux ultra rapides, ultra bruyants. En fait, c'est des, des ingénieurs plus, 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 quoi. Qui ont une capacité de synthèse, qui ont une une capacité de prise de décision qui, qui effectivement qui peut être euh, bah, pas mal pour les administrations françaises qui parfois peuvent se dire on manque de bras on manque un petit peu de, de ressources de matière grise on va faire appel à eux donc c'est un cabinet qui a, qui, a, qui a divers secteurs qui couvre un peu tout le spectre de l'économie euh, et le secteur qui pose question dans ce qu'on dont on parle aujourd'hui, c'est le secteur public, c'est-à-dire euh, c'est les contrats que McKinsey passe avec les, les ministères ou les administrations françaises. Euh, et ce secteur, finalement, il est, il est petit, hein, c'est 5% du chiffre d'affaires de McKinsey. Il okay. y a une source interne qui disait c'est 5% du chiffre d'affaires, mais c'est 100% des emmerdes. On va en parler après. <laughs> c'est une bonne une bonne. Ça ne pas de moi. Il y a, <laughs> a quelqu'un dans le chat, pardon, je, ah voilà, euh, Marie de 111 qui dit euh, Oh mon Dieu, Géraldine Allo en vrai voilà. Ah, bah, le... C'est souvent la, ré la, la réaction euh, du chat quand, on quand voit, tu vois des gens voilà. de la radio ici euh, en oui, parce vidéo. Parce qu'on n'a pas l'habitude pas, de passer à l'image. <laughs> Et euh, est-ce que euh, McKinsey qui euh, conseille euh, des politiques, c'est quelque chose euh, qui est nouveau ou c'est un peu. Euh... Alors, on va, on va être précis sur cette question. Ouais. Euh, ce qui n'est pas du tout nouveau, c'est que McKinsey. Conseil euh, et fait, et fait des prestations pour les ministères, pour les administrations françaises. On l'a vu au moment de l'IRSENA, la, 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 tu as, as dû en mmh. entendre parler, qui a fait un, un, un rapport après une commission d'enquête très détaillée où on voit que McKinsey a fait énormément de prestations pour le ministère de la Santé pendant le Covid, pour le ministère de l'Enseignement, pour le ministère de la Transition écologique. Bon, ça, ça fait polémique, mais c'est légal. En revanche, dans les statuts de McKinsey, ce qui est écrit, c'est que le cabinet n'a pas le droit de travailler en tant que tel en tant que cabinet pour un candidat à une élection électorale. Ça c'est interdit. Voilà, en campagne. Pour autant, il y a des cabinets de conseil qui dans leur statut eux ils le disent on peut. Mais dans tous les cas, si c'est autorisé dans les statuts, ça doit être facturé et déclaré dans les comptes de campagne. Je ne sais pas si j'ai été oui, bien clair. c'est ce qui pose Donc, question. Voilà, c'est ce qui pose question. Surtout là en fait ce qui pose question, c'est quoi C'est que McKinsey dit "Ah, on n'a pas travaillé pour Emmanuel Macron en 2017. On a quelques conseillers, en gros une dizaine." 10 à 12, après nos sources, euh, sur 800 collaborateurs. Mais ils l'ont fait à titre individuel sur leur temps libre. Ils ont le droit de participer à la, droit à la vie démocratique du pays. Ça, ça, ça c'est la version mise en avant par McKinsey. Et c'est là-dessus qu'enquête la justice, parce qu'ils disent 10 à 12. Avec des profils de directeurs associés. Il y a deux directeurs associés, dont un directeur associé senior, Karim Tajeddin, mmh. t'en as parlé. Avec Donc, des notes aussi très précises. Avec des notes Et, très précises, voilà. et encore une fois, c'est un, un directeur associé chez McKinsey, directeur associé senior. Il a des actions du cabinet et c'est considéré comme un dirigeant du cabinet. Donc les juges se disent, les enquêteurs, à mon avis, légitimement. Donc dans ces 10 à 12 consultants, on a des directeurs qui détiennent des actions, qui sont des décideurs de McKinsey, et de l'autre côté, et qui ont fait des réunions avec l'équipe de campagne, qui ont fait des notes, qui ont, mmh. l ont, qui ont aidé. A lancé un, un site pour Emmanuel Macron en, en 2016. Et de l'autre côté, tu as McKinsey qui dit oui, mais c'est sur leur temps libre. Et puis c'était individuellement. Et d'ailleurs, on, on va revenir sur la notion de temps libre, temps ouais, de travail, ouais, qui est quand même ouais. un, peu, un peu flou. Ouais. Euh, Yann Amat, si jamais tu as la réponse, qui demande McKinsey euh, a-t-il déjà été condamné pour corruption à Ma connaissance, non. non. Il y a, ils, ont, ils ont plusieurs enquêtes dans d'autres pays, en Afrique du Sud, au Canada. Oui, mais à l'international. Ma... Oui, à l'international, oui. En France, en France non. En France, non. Et est-ce qu'il y a des politiques actuelles qui viennent de chez McKinsey On appelle ça des transfuges Alors, tu as, des, as effectivement des, des personnes, c'est ce qu'on appelle le, le pantouflage, de passer de l'un à l'autre. Ouais. Ça pose question quand tu passes du secteur privé à, au secteur public, c'est-à-dire bah, que oui. tu vas pouvoir faire appel à des consultants d'un cabinet pour lequel tu toi, as toi-même travaillé. Mmh. Bah, dans l'enquête, on, on parle notamment de Mathieu Mocor, qui oui. est aujourd'hui délégué interministériel à la jeunesse. Oui. Euh, il était consultant chez McKinsey jusqu'en décembre 2016. Ensuite, il passé à En Marche, il était euh, directeur de la Riposte de la Riposte de l'argumentaire chez euh, En Marche en 2017. Ensuite, il a été directeur adjoint du cabinet de Mounir Majoubi, qui était secrétaire oui. d'État. Donc voilà, il y, y, y en a plusieurs. Y a, y a, y a il y a eu plusieurs euh, passages. Il y a la, la numéro 2 de la CPM qui est passée par McKinsey, Madame de Cazeneuve. Donc ça, 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 ça pose question. Pas ça veut interdit, dire euh, ma... ouais. c'est pas interdit, mais ça veut dire que c'est très. Il euh, y a une forme de porosité entre ces deux milieux et que euh, qui vous dit qu'une fois que vous êtes aux affaires publiques, bah, vous n'allez pas favoriser vos, vos anciens petits camarades. Encore une fois, c'est pas illégal, c'est très peu encadré. Et Ariane Comorne aussi, euh, ouais. j'avais noté, euh, ouais. qui est devenue chef du pôle engagement du parti d'Emmanuel Macron, qu'elle a quitté en 2021 pour euh, fonder son, son entreprise. Euh, quelles sont les conditions à respecter euh, quand on est euh, un cabinet de conseil et qu'on euh, et qu'on veut et qu'on conseille des politiques Alors, encore une fois. Ils ne conseillent pas de politique. Ouais. Ils font des prestations, des prestations pour des ministères. Pardon. Des prestations pour Voilà, c'est ça. Là. En fait, c'est quoi les, les, conditions les, remplir, et ben les conditions à remplir Les conditions à remplir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'expression d'un besoin. Par exemple, le ministère euh, de l'Éducation qui avait besoin, qui voulait un peu étudier l'évolution du métier de, de l'enseignant. Et donc, ils ont fait, euh, un, ils ont lancé un, un appel à, à, à voilà, à, un, un appel, une expression des besoins. Et McKinsey a répondu a fait un devis et il y a eu un bon de commande. Et c'est ce fameux rapport à quasiment 500 000 euros euh, qui, euh, qui, pas été, qui devait servir de base à un colloque qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la pandémie. Donc ces 500 000 euros pas servi à grand chose. Euh, ce qui pose question, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de contrats. Alors, je vais essayer de pas être trop technique, mais il y a eu un accord cadre entre 2018 et 2022 euh, de plusieurs millions d'euros, et dans lesquels euh, ça couvrait à peu près tous les besoins. et Les ministères pouvaient piocher. Ah bah ben, je vais prendre 500 000 pour faire ça, mmh. euh, 400 000 pour faire ça. Et McKinsey en a beaucoup bénéficié. C'est pas les seuls. Il hein. y a eu euh, d'autres gros: Ernst Young, BCG, Accenture, voilà. Mais McKinsey, évidemment, vu qu'il y a eu cette histoire avec la, la, la campagne électorale de Macron, ils ont vraiment les yeux braqués sur eux. Mais et euh, entre guillemets, il faut un peu parapluie pour tout le monde parce qu'il y a à gratter aussi un petit peu dans d'autres endroits. Et euh, ben justement, il y a POJO25, mais du coup, tu as en partie répondu à la question qui dit on fait souvent le focus sur McKinsey, mais est-ce que les autres cabinets de conseil ont envoyé des bénévoles pour Macron en 2017 Alors, de mémoire, oui, mais alors, je ne sais plus si c'est BCG, il faudrait que je vérifie, je ne sais pas si ouais. on peut le faire. En... Mais y a, oui, il oui, y, y a eu d'autres... Il y, y, y a eu, eu d'autres, ouais, oui, y a de, Je ne sais plus si c'est BCG ou EY, mais c'est un des deux. Mais c'est moins, entre guillemets, comme disait l'ancienne la, de McKinsey, c'est moins staffé. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'aspect, la ils sont 10, 12, mm. euh, c'est carrément une équipe. Là, là par exemple, l'ancienne de McKinsey nous disait qu'une euh, équipe McKinsey type chez un client, c'est un chef de projet et deux consultants. Et quand quand euh, Karim Tajeddin a lancé le site de campagne au service de tous pour Emmanuel Macron en 2016, il est avec deux consultants, ils sont trois. Donc c'est vraiment le profil type d'une équipe McKinsey. C'est comme si en fait, c c ils le étaient schéma chez un euh... client. Or, ouais. bon, eux, ils disent que non. Encore une fois, présomption d'innocence, c'est ultra important. Ouais. Mais voilà. Euh, KLCM qui dit, d'ailleurs, ça pose un problème car ce genre de cabinet euh, ont une vision très libérale. Du monde et faire appel à eux systématiquement, ça façonne la société d'une certaine manière. C'est tout à fait vrai, c'est ce que me disait l'idéologie entre En tout années. cas, ils voient ça, ce que, ce que me disait l'ancienne avec qui j'ai passé pas mal de temps, elle me disait euh, chez McKinsey, la France est, a des problèmes, il faut les résoudre. Voilà. Mm. Et donc, c'est une vision très anglo-saxonne de la France, avec euh, des blocages, avec des retards. Euh, à un moment donné, il fallait tout digitaliser. Voilà. Il y a un discours très euh, de, de, de rentabilité, très, très anglo-saxon. Oui. Voilà, Uber. Entre voilà, guillemets. exactement, exactement. Et euh, est-ce que euh, bah, typiquement dans ton dans ton enquête, il euh, des euh, tu cites des de, de, des propos de l'association Anticor et euh, il t'explique notamment euh, pourquoi en fait il faut absolument que les prestations soient facturées. Euh, est-ce que tu peux nous dire ouais. ce qu'ils t'ont dit? Ils disent que c'est pour limiter. Alors c'est Clarence Batia, c'est le juriste d'Anticor qui est très pointu sur, sur ce domaine. Je, je l'ai fait lire l'article et je dis voilà en, en quoi vraiment ça, ça pourrait. Encore une fois, on parle au conditionnel, ça pourrait mmh. être illégal. C'est qu'en fait. Euh, une entreprise, un cabinet de communication, de conseil en stratégie, ce que tu veux, peut évidemment euh, travailler pour un candidat dans le cadre d'une élection. Euh, sauf, encore une fois, McKinsey, eux, dans ses statuts, -ils, ils disent on n'a pas le droit, on est apolitique. Voilà, bon, ça, oui. c'est un, un truc en plus qui se sont rajoutés. Bon, Non-partisans apolitique. Non-partisans apolitique. Depuis leur création de, en 1926, c'est ce qu'ils disent. Euh, donc, une entreprise peut le faire, mais. Ces prestations doivent absolument donner lieu à des factures, donc à des rémunérations, et être ensuite déclarées dans les comptes de campagne, qui sont ensuite validés par la commission nationale des comptes de campagne. Pourquoi Parce que si c'est pas le cas, ça peut être considéré comme un don euh, financier ou un don en nature d'une entreprise. Un candidat et ça c'est interdit dans le droit français pour préserver en fait l'équilibre démocratique parce que sinon il y aurait des candidats qui plein d'entreprises leur donneraient on voit bien le genre de candidats puis d'autres voilà donc il y a un financement qui est avec des dons individuels des dons privés à hauteur de 7600 euros mais pas de dons d'entreprise ça c'est interdit en revanche une entreprise évidemment une entreprise d'informatique qui va faire les câbles dans un meeting évidemment qui va être rémunéré on n'a pas le droit de le faire gratuitement c'est considéré sinon comme un don financier ou en nature et euh, bah, typiquement, est-ce que tu as réussi à contacter euh, des gens de McKinsey Alors, il y en a qui ont refusé de répondre. J'ai contacté énormément de gens de McKinsey. <laughs> c'est très, très difficile. Oui, moi, je te posais cette question voilà. et c'est une euh, fausse question. Et, et souvent, on est. Euh, je, je fais référence à un article de Mediapart euh, qui, était, qui a été publié l'an dernier où ils ont aussi des choses super intéressantes avec des anciens de McKinsey. Mmh, on euh, vous envoie le lien dans ouais, le chat. Et, et des, des gens actuels, mais c'est toujours sous couvert d'anonymat. Voilà. Mmh. Euh, moi, la seule qui m'a vraiment aidée dans cette enquête, c'est donc cette ancienne. Je ne peux pas en dire plus sur elle, mais je l'ai oui, vue je je vu à deux reprises chez elle à son domicile. Euh, son téléphone, son téléphone, voilà, parce que. Parce qu'elle euh, bah, ne voulait pas euh, que je l'enregistre euh, ouais. sauvagement. Voilà. Ce qui ne sont pas nos mettants dans la cellule. Mais, donc, voilà. mais elle m'a vraiment documenté comment ça se passait. Mais sinon, dans les, les consultants actuels, c'est motus. Pourquoi bah, Parce que alors, déjà, ils en ont marre. Ils en ont marre qu'on leur parle, des ma... notamment des Macron-Lix. On va y revenir après. Hum. Mais les Macron-Lix, c'est le journal Le Monde en 2021 euh, qui a une très belle enquête de François Krug, oui. qui, a révélé, voilà, <laughs> qui a révélé que dans les macron c'est ces milliers de mails qui ont été hacké mmh. euh, et publié le 5 mai 2017 à deux jours Justement. du deuxième tour, voilà euh, correspondance privée de l'équipe de campagne et, et, et aussi dans le cadre de la campagne de l'équipe de campagne de Emmanuel Macron. Et donc le Monde a révélé qu'en en, 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 vraiment en faisant une grosse recherche parmi ces dizaines de milliers de mails, on voyait plein de documents estampillés McKinsey. Et là ils se sont dit ah oui donc en fait McKinsey a travaillé, en tout cas de nombreux consultants ont travaillé. Donc avec des mails euh, pro en alors, fait. Alors des mois, alors notamment Karim Tajeddin. Euh, lui il a carrément euh, envoyer des mails à l'équipe de campagne où il parlait de devis, où il parlait de ce fameux site de campagne au service de tous qu'il allait lancer. Il échange avec l'équipe de campagne avec son adresse pro-Mackinsey. Il l'a regretté. Euh, quand il a été euh, auditionné par le, la commission d'enquête du Sénat, il a dit c'était une erreur. Bah, ouais, tu il aurait pu se faire une petite adresse Voilà, ils ne sont pas <laughs> censés travailler pour des candidats. Bon là, c'est vrai que c'est grillé. Et alors, la question toute bête... Euh, euh, quel intérêt pour McKinsey de faire des prestations bénévolement pour Emmanuel Macron avant même qu'il soit élu ce, ce, ce que me disait alors, il y a d'une part l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron qui me disait, lui pense qu'ils l'ont fait, alors qu'il était quelqu'un bien placé dans l'organigramme de campagne, il disait, je pense qu'ils l'ont fait par opportunisme et par conviction. Par opportunisme, pourquoi C'est qu'il bah, devait se dire, après euh, l'élection d'Emmanuel Macron, bah, on aura peut-être voilà, des contacts fluides. Ouais. Euh, des, con voilà, des accès à des marchés publics un peu Et plus, plus, plus facilement. de contrats Et ça, c'est le, de... voilà, le volet favoritisme. Il y a deux informations judiciaires, ouais. tu l'as dit en préambule, quand ils sont ouvertes. Une sur le soupçon de financement illégal c'est tout ce dont on vient de parler, et oui. l'autre sur favoritisme. Ça veut dire, est-ce qu'en contrepartie de ces, ces prestations, il n'y a, a pas eu des contrats en plus voilà. Et c'est pour ça que c'est ultra important de, de regarder tous ces contrats qu'a eu McKinsey ces dernières années. Et donc, le, le, le cabinet avait misé sur Emmanuel Macron avant même euh, qu'il se déclare euh, candidat à l'élection présidentielle euh, en, 2000, euh, en 2017. Alors, euh, le cabinet en tant que, que tel, je ne sais pas, en tout cas, deux directeurs associés sûrs, c'est ceux qu'on ont bossé pour lui, mmh. plus euh, une, une dizaine de consultants. Euh, moi, j'ai une source interne qui me disait que, en fait, chez McKinsey, il y avait un étage pour tout le monde. Donc, il y avait un étage qui. Je... En tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté. Euh, un, un, un étage qui roulait pour Macron, un étage qui roulait pour Fillon, voilà, au moment de la présidentielle. Je pense pas qu'il roulait... Il y en a vraiment qui roulait pour les candidats très à gauche. À ils s'adaptent, en Mais fait. Ils, voilà, ils sont très euh, élastiques, plastiques. Euh, ils s'adaptent un petit peu aux, aux candidats. Après... Emmanuel Macron, ce que m'a dit l'ancienne de McKinsey, c'est qu'il que, qu a rencontré en personne un jour. dans, dans voilà, euh, C'est qu'il était vraiment perçu par les consultants de McKinsey comme un des leurs, euh, dans sa façon de s'habiller et dans sa façon de parler. Euh, le mot disruptif, notamment, c'est vraiment un mot qui mmh. vient de McKinsey. Oui, ils se sont, ils se sont reconnus langue, euh... Voilà, C'est une espèce de novlangue euh, macronienne. Euh, Pojo25 qui demande euh, Que risque-t-il Donc, il au pluriel, euh, McKinsey euh, à titre individuel ah bah les, les, euh, À titre individuel, ils peuvent être poursuivis, ça c'est sûr. Il y a, ouais. Je n'ai pas les, les, sous les yeux les peines, ça je pense qu'on on peut les regarder. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que euh, la, le domicile de, de Karim Tajeddin, le directeur associé, a été, euh, a été perquisitionné. Là, ah, il, y a documents... non, ça, okay. il y a deux semaines. Non, ça c'était fin janvier. Il y a deux semaines, c'était la directrice France de McKinsey, okay. Clarissmanien. Donc okay. le domicile a été. Euh, Perquisitionnés, un certain nombre de documents ont été euh, pris par les enquêteurs, sont en cours d'analyse. Ça, c'est le secret de l'instruction, donc n'ai pas, à me prononcer, voilà, oui. parler là euh, on parler là-dessus. Mais attend. effectivement, si il euh, y, a, y a effectivement, c'est un délit de financement illégal de, de campagne électorale. Après, il faut voir si il est caractérisé en tant que pacte. Est-ce que les juges vont considérer que c'est le cabinet qui a entre guillemets staffé des consultants sur la campagne, mmh. ou si c'est juste un titre individuel Auquel cas, ça, voilà, ça c'est. Pas sûr que ça soit pénalement répréhensible. Et est-ce que tu peux nous parler des contrats pro bono? Les contrats pro bono, ce sont des contrats que, donc, du coup, c'est des missions qui se font euh, gratuitement. Ouais. Euh, souvent pour des organisations à but non lucratif. Parfois aussi pour des organisations politiques. Euh, c'est par exemple le cas de, de Tech for Good, le, le, le sommet de la tech installée, euh, organisée à l'Elysée, euh, en partie avec McKinsey. Mmh. C'est légal, mais c'est juridiquement peu encadré. Mais d'ailleurs, ouais. il y avait une proposition de loi LR qui visait à les interdire. Mais à ma connaissance, elle n'est pas, pas passée, cette donc, proposition légal, mais, euh, mais c'est un, euh... un peu flou parce qu'en fait, euh, on peut faire ça pro bono, mais qu'est-ce qu'on en attend derrière Voilà, mmh, mmh. c'est ça qui est un peu compliqué. Le Sénat estime que ces missions gratuites peuvent peuvent être récupérées, c'est le terme, pour les besoins de la stratégie commerciale des cabinets de conseil. Mmh. Oui, parce que dans son dépliant commercial, ça c'est la, la commission, le rapport euh, du Sénat qui le dit, dans son ce qui montre en fait à ses, à ses clients. Euh, pour répondre à des appels d'offres, McKinsey met en avant l'organisation de Tech for Good. Donc, si c'est pro bono, ce n'est pas censé ensuite servir comme argumentaire de vente. Mm -hmm. Il y a justement des, des, des chercheurs qui parlent de pied dans la porte pour décrire cette stratégie d'entrisme. En fait. Euh Emmanuel Macron, il aurait dû refuser, en fait, idéalement, ces contrats gratuits. Il aurait dû... Enfin, il y a une question aurait... un peu bête, oui, on se dit, oui, 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 mais comment sûr, des il... gens aussi... Euh, <laughs> C'est un travail qui est fait, euh, qui, est, qui est important, cette note euh, de défense et sécurité rédigée par euh, Guillaume de Ranieri, euh, qui, est, euh, qui est toujours, d'ailleurs, euh, directeur, oui, euh, ouais. voilà, directeur du secteur de la défense. Euh, euh, chez McKinsey, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Mmh. Euh, c'est à la fois un comparatif euh, du programme des autres candidats, c'est une restitution de la grande marche, ce sont des idées. Mmh. Donc ça, ça demande beaucoup de travail et euh, ça aurait dû être rémunéré. Donc oui, l'équipe de campagne aurait sûrement dû dire, oh là, ça, euh, euh, soit on le facture, mmh. soit on le refuse. Mmh. Ce qu'il c'est que le facturer ça aurait été une sacrée somme parce que comme le dit notre Combien euh, alors Dis-le. Comme le dit notre, <laughs> notre ancienne de McKinsey euh, les chiffres qui tournent c'est toujours entre 2000 et 2500 euros jour pour un consultant ça, ça c'est quand on est un consultant basique mais lambda mais bon on n'est jamais vraiment basique chez McKinsey elle ce qu'elle nous révèle c'est qu'un euh, directeur associé senior donc comme l'était euh, Karim Tajeddin, c'est entre 8000 et 12000 euros mm. et un directeur associé comme l'était Guillaume de Ranieri, le chef du secteur euh, défense c'est entre 6000 et 8000 alors dit comme ça ça la. Non, ça reste énorme, évidemment. Mmh. Par jour. Forfait jour. Euh, ce qu'il faut, faut quand même mettre de bémol, parce que, vrai que quand on dit ça, on dit oh là là, c'est énorme. Euh, c'est un forfait. C'est-à-dire que parfois, un consultant va travailler sur trois jours, mais va, forfait, va, va, va facturer une seule journée. Et ensuite, sur cette somme-là, ces 12 000, c'est pas net dans la poche du, du directeur associé senior. Il y a une petite partie qui sert à rémunérer l'équipe en su, et il y a des frais de fonctionnement qui sont ponctionnés là-dessus. Enfin, ça reste quand même une, une facturation énorme. Mmh, et mmh. ça, à l'époque, l'association euh, 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 ouais. de financement de campagne ne pouvait pas. C'était un parti qui n'avait pas d'élu, qui était, enfin voilà, c'était un, un mouvement. C'était même pas un parti, c'est un mouvement qui se montait. Ils avaient zéro, zéro fonds à la base. Et ça, typiquement, je, je, je pense à cette question maintenant, mais le fait qu'à la base, il n'y ait pas de fonds euh, pour payer ce genre de prestations, est-ce que ça peut être euh, euh, un argument qui joue en la faveur euh, D'Emmanuel Macron, c'est à dire que quand on non, a un candidat que, qui sort un peu nulle part, une sans fois, parti, c'est interdit, interdit légalement. C'est interdit légalement. Une fois ouais. qu'ils se sont alors, il y a une, au début c'était en marche, hein, le mouvement, puis ensuite mm -hmm. c'est devenu un parti. Mm -hmm. euh, une fois qu'ils se sont constitués en parti, en parti politique, qu'ils étaient en course pour la présidentielle, mm -hmm. ils n'avaient pas le droit de recevoir de, de dons, euh, soit financiers, soit en nature, de, de la part d'une entreprise. Ok. Euh, y a-t-il un sentiment d'impunité dans les cabinets de conseil? Yanamat, c'est-à-dire difficile de se prononcer, ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qui, je pense, peuvent paraître un peu hors sol, c'est-à-dire ouais. déjà, ils ont un niveau de rémunération qui est voilà, et bah puis, oui. ils, ils, ils passent leur temps à voyager, de mission. McKinsey, c'est vraiment une entreprise, ils sont, ils sont partout dans le monde, donc vous avez un consultant suisse qui peut venir euh, euh, sur 3-4 jours à Paris euh, aller bosser pour un ministère, ils sont toujours entre deux avions, ils côtoient les grands de ce monde, mmh, mmh, c'est très prestigieux, dans les, dans les écoles qu'on a citées tout à l'heure, bah, McKinsey, bah oui, ça fait partie, des, évidemment, mmh. et puis McKinsey, ça Réseau, euh, quand on sort, il y a, y a alumni, les alumni, c'est les anciens de McKinsey. Et ils, sont, ils, se, ils se recommandent, ils se cooptent les uns entre les autres. Et d'autres laboratoires d'idées. Euh, voilà, et donc forcément, c'est une forme de label, McKinsey, qui vous ouvre mmh. énormément de portes. Donc est-ce qu'il y a une, for une forme de toute puissance, en tout cas, euh, à cette époque-là de la campagne Et ensuite, oui, le fait de passer de l'un à l'autre, des ministères au cabinet, ouais. ça pose quand même question. Et c'est vrai qu'on peut se dire, enfin en tout cas on peut se demander, on, on, on se dit peut-être que Emmanuel Macron euh, euh, a aussi une forme de dette morale et que du coup la contrepartie c'est peut-être aussi de dire bon bah, vous inquiétez pas pendant mon mandat je taxerai pas trop les entreprises. Euh ouais ça c'est ouais, ça un ça, peu ça quoi ça, ça, oui, ça, ça, on mais, peut mais, pas le prouver ce mais c'est une, une forme, forme de dépendance en, bah, de ouais. l'état français parce qu'on n'en a pas encore parlé mais donc il y a l'aspect campagne électorale et il y a aussi quelque chose qui est très important et il y a eu un très gros travail fait par Mathieu Aron et Marie euh, Marie Michel Aguirre dans le livre Les infiltrés qu'il faut oui. vraiment lire oui. euh, entre 2018 et 2021 euh, c'est-à-dire sous le, le premier mandat d'Emmanuel Macron mmh. euh, le nombre de dépenses de conseil a doublé et passé à 1 milliards d'euros en 2021, un milliard d'euros, okay. c'est énorme. Okay. Donc ouais, il y a à côté, euh, je ne sais pas si est, il se sentait redevable, mais il y avait un guichet ouvert et notamment euh, grâce à cette fameuse DITP, DITP qu'a qu qu créé Emmanuel Macron, c'est la Direction interministérielle à la transformation publique et qui, qui a un guichet où, qui fait des accords cadres où les ministères peuvent piocher pour telle ou telle prestation de conseil, sans vraiment qu'il y ait à chaque fois une remise en concurrence, un nouvel appel d'offres. Ça, ça pose question parce que c'est assez opaque. Est-ce que ça a été difficile de, de recueillir des témoignages ouais. dans, dans cette enquête On se dit toujours, oh là là. C'est difficile. C'est difficile. Pourquoi bah parce que hum, les anciens conseillers des Madame Macron sont difficiles à approcher, en tout cas. Difficile mm. là, voilà. Là, je pense que si j'ai pu en avoir, c'est parce qu'il y a aussi. Euh, entre temps, le rapport de, du Sénat qui, qui est tombé, qui a vraiment mis les choses à place, un gros, gros travail. Et quelque part, bon, il y a peut-être aussi de se dire qu que, dans, quoi on a, dans quel engrenage on a, on a mis le doigt. Euh, ça a été difficile aussi d'avoir des gens dans marche, mais ça, ils commencent à parler parce que mm -hmm. je pense aussi tout simplement qu'il y a enquête de justice, il y a des auditions a, qui vont avoir lieu, qui sont. Oui, il va falloir au bout d'un moment. Et que euh... du coup, chacun a aussi peut-être envie de se dire oui, bon, ok, il y a McKinsey, mais nous, on n'était pas à force. D'ailleurs, il y, y a le Conseil. Emmanuel Macron me dit oh oui on ne les aimait pas nous McKinsey quand on les a vus arriver dans la campagne ils nous ont dit on vient apporter de l'intelligence. Bon Emmanuel Macron avec... il avait déjà bossé avec eux quand il était ministre de l'économie. Oui tout à fait. En fait. Il, en fait, ça remonte, les, les liens McKinsey et, euh, et, Macron. et, euh, et, et Emmanuel Macron, ça, ça remonte à la commission Atali sur la libération de la croissance sous, sous Nicolas Sarkozy. Oui. Donc 2007-2008. Oui, c'est ça, 2007. Et, et voilà. après, il y a eu le projet Noé. La, 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 la loi Noé qui finalement a été euh, voilà, passée à la trappe parce qu'entre-temps, il y a eu la loi el Khomri mm, mm. Mais sur cette loi Noé, euh, bah, euh, beaucoup de gens de McKinsey ont travaillé euh, en, 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 voilà, en conseil euh, avec justement le, avec le ministère d'Emmanuel Macron. Et donc la Florence dont tu parles, donc c'est c'est un faux prénom. Hein. Ah, un prénom euh, du coup, elle te elle te dit que donc elle a quitté le cabinet mm. et elle te dit qu'elle a signé des accords mm. de confidentialité qui l'engagent à vie. Mm. Ça veut dire quoi ben Ça, ça euh... m'a étonné. Je, je savais même pas que c'était possible juridiquement. Que, alors peut-être que c'est, je pense pas. en hein. bon, finance, ça, en général, un contrat de confidentialité, c'est c'est il y a une durée que en contrat Mais quoi. en fait le où, où un ou deux ans après euh, le, le, la fin de votre contrat, euh, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de, de donner les noms des clients sur lesquels elle a travaillé, mmh. elle n'a pas le droit de, de donner les process, elle n'a pas le droit de. voilà. Elle a, en fait, ouais. en gros, elle n'a pas le droit de parler de McKinsey. Il okay. y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le réseau des anciens dont elle fait partie est très puissant. Et donc, elle ne veut pas non plus se griller. C'est très compliqué pour les gens de McKinsey, les anciens. oui, parce qu'il y Il voilà. y, y, que... qui y a une carrière qui continue derrière. Il une carrière qui continue ailleurs trop loin. Donc ben voilà. oui, ouais. Et c'est pour ça que dans tous les articles que vous verrez, euh, c'est souvent des gens sous couvert d'anonymat. Alors encore une fois, les gens qui disent oui, c'est des témoignages anonymes, sous couvert d'anonymat, c'est anonyme pour le grand public. Moi, je sais qui c'est, je sais qui m'a parlé. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est un, un, un travail qui est de recouper les témoignages, de les identifier, de, de les recueillir. Il y a toujours ensuite la question de se dire est-ce que vous parlez ou pas sous votre identité. Là, pour elle, c'était clairement non. Et, euh, et est-ce qu'elle t'a raconté pourquoi euh, elle voulait te bah, témoigner en fait, te, te Elle, dire a, elle la vérité. a une raison qui fait qu'elle n'est pas ouais. partie en très bon terme, mais là je ne peux pas en dire Bien parce sûr, que ça va la de... houter, comme on dit. Pas de problème. Mais euh, elle n'en veut pas pas à McKinsey en entier, mais, mais certaines personnes-là. Oui. Alors, alors une fois, encore une fois, il n'y a pas de source chimiquement pure. C'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas mue par le ressentiment. Ce n'est pas pour ça oui. qu'elle m'a parlé. C'est parce qu'elle estime que ça est allait trop loin, mmh, mmh. Euh, notamment au moment de la campagne vaccinale. Le fait de, de, de donner les clés, il euh, euh, y a quand même entre... En France En France, entre euh, décembre 2020 et... Euh, et février 2022, c'est McKinsey qui pilote la mise en place de la stratégie vaccinale, euh, l'organisation. Ensuite, il y a Accenture qui vient en appui et Citwell pour la logistique. Euh, donc, on a vraiment délégué. Alors, c'est vrai que, comme me disait un médecin qui, qui était vraiment dans, dans ces cercles de décision à cette époque-là, on en avait besoin parce que c'était tétanisant, cette crise-là. Euh, mm. de, de, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas les ressources en interne, c'est qu'on ne savait pas forcément comment les mobiliser. Quand je dis mm. les ressources en interne, c'est à la Direction générale de la Santé, à Santé publique. France au ministère, mais McKinsey est venu pour piloter et c'est des gens, ils ont staffé 25 personnes d'un coup H24. Euh, dans, dans le, dès dès le, ils ont signé le devis 8 de mémoire, décembre 2012 et, euh, et dans la foulée, il y avait 25 euh, consultants de McKinsey qui étaient vraiment là-dessus. Donc c'est cette euh, agilité, comme ils disent, ils ont, on, en a, on en a eu besoin. Ce qui pose un peu questions. Mais c'est pas question. forcément transparent, enfin on le sait pas. Euh, voilà, si on fouille pas. Et qui pose est... un peu plus de questions et ça, ça sera, j'espère le voilà, l'objet d'une autre enquête ce qui pose question, c'est pourquoi un an après, on a encore euh, la présence de McKinsey auprès de la DGS pour facturer encore des prestations. C'est que ça alors continue qu en dehors alors, de la crise, en fait. Bah, surtout, en fin 2021, on est encore dans la crise, a, mais on en est à la dose de rappel. La vaccination était dans les rails. Est-ce qu'on avait autant besoin de facturer Il n'y a plus, euh, plus d'urgence. Ça peut devenir une forme de, de nouvelle dépendance, culture. De ouais, dépendance. Et de de ce qu'on qu me dit aussi, aussi des sources internes, euh, ministère de la Santé, euh, c'est que ça aussi a un peu démoralisé les hauts fonctionnaires sur place, c'est-à-dire que McKinsey arrive et fait à la place d'eux. Bah, ça donne et un peu l'impression ça... que tu ne sers à rien. Quoi. Voilà. voilà. Donc, euh... Et tu parles donc de Guillaume de Ranieri. Donc lui, c'était qui C'était le directeur du associé. service directeur associé, alors pas senior, mais directeur associé, ouais. en charge du secteur de la défense. Et il a fait une. Donc, la fameuse voilà, il note... a fait notre projet défense et sécurité. Ouais. Et donc, euh, c'est quoi cette note et pourquoi elle a interpellé justement l'ancien cadre cette, cette note, de McKinsey. en fait, comment on sait qu'elle est là C'est toujours dans les Macronics. C'est oui. ça, donc, elle a été exhumée pour la, pour la première fois par le journal Le Monde, l'article dont je te parlais tout à l'heure, François Krug, en 2021. Oui. Euh, donc, c'est une note assez, assez fouillée où il euh, y a à la fois la restitution de la Grande Marche qu'avait lancé Emmanuel Macron de mémoire en avril 2016, mm -hmm. fait le porte-à-porte -porte par ses équipes pour faire un peu un diagnostic du pays. Euh, et puis, euh, dans cette Note, il y a aussi ce qu'on appelle un benchmark donc ça encore c'est un mot très très ben qu'il <laughs> un comparatif en français des programmes des autres candidats en lice à cette époque-là. Donc il n'y a pas euh, il n'y a pas que des candidats qui sont présentés in fine parce que dans ce benchmark il y a Arnaud Montebourg qui finalement s'est pas présenté. Euh, et puis il y a aussi des idées sur la défense et en fait ce que me dit cette consultante quand je lui ai des, montré des idées politiques de, de... des 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 euh, sous-questions sous il euh, il, pas, il fait que euh, par exemple, est-ce qu'il faut continuer avec Sentinelle Voilà, ça il ne okay. Ils ne fournissent pas une réponse. Ils, font une, ils posent une question et il y a des sous-questions. Euh, ils ouvrent les... Voilà. mais okay. il, Au lieu d'être thèse, antithèse, synthèse, c'est plutôt euh, hypothèse et confirmation. C est, c est, il y a okay. un côté vraiment euh, ingénieur. On va vous répondre à, à une question. Et l'ancienne la, cadre de McKinsey me disait que, quand je lui ai montré cette note, que c'était vraiment à la fois la typographie, la charte et la façon de présenter les, les documents. De McKinsey, en gros, elle me disait, il ne manque plus que le le logo McKinsey. Évidemment, il n'y est pas, ça aurait été problématique. Là. Ça aurait été une preuve vraiment euh, accablante s'il y avait eu ce, ce, ce logo. Il n'y est pas, mais la note en tant que telle euh, est vraiment, d'après cette consultante, cette euh, ex de McKinsey, porte tous les signes extérieurs de McKinsey. Bah oui, C'était oui. pas un petit post-it euh, <laughs> transmis euh, lors, euh, lors d'un café. Donc, cette Florence te dit que bah, typiquement, ce. Cette note, elle aurait dû être facturée. Et donc, dans le dans ton enquête, on peut lire donc, euh, tu dis qu'il y a une dizaine de consultants, donc de McKinsey, euh, qui a participé de manière active, voire intrusive, à la campagne d'Emmanuel Macron. Active, ça, ça veut dire, ça veut dire, que, dire quoi alors, Active, ça veut dire que d'après les, les témoignages qu'on a recueillis des gens de la campagne d'Emmanuel Macron en 2016, c'était que ils ont participé à des groupes de travail, euh, ils ont participé à des rédactions de notes, ils ont participé avec Karim Tajdi au lancement de ce site. Mmh. Euh, et il y a eu des réunions de travail euh, avec ces, entre les conseillers et les gens de la campagne. Pour beaucoup, le soir et le week-end au siège d'En Marche. Donc là, ça voudrait dire, bon, bah, c'est en dehors du temps de travail des consultants, même si l'ancienne de McKinsey a dit oui. Bah, vous bah elle dit, dit on, on travaille tout le On travaille temps, aussi. En fait. Voilà. Bon, ça, ça sera l'appréciation des juges qui, de toute façon, à un moment donné, vont saisir ou ont saisi ce qu'on appelle les timesheets, c'est-à-dire les, les, les programmes, pas le programme, les, les emplois emploi du, du temps. L'emploi du temps. Voilà. Euh, et et j'ai oublié le reste de ta question. Tu peux me la euh, je te demandais euh, ce que ça voulait dire euh, 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 à et intrusive. Voilà. Alors, intrusive. Donc, ça, actif et Voilà, Alors intrusif, donc ça c'est et intrusif, ça c'est l'ancien conseiller madame Macron qui me disait que euh, il se regardait quand même un peu en chien de faïence à la suite de cette saillie euh, de Mathieu Mocor qui euh, donc selon lui a dit euh, on vient apporter de l'intelligence. Bon, il y avait quand même entre ceux qu'on fait l'ENA, les conseillers qui sont très euh, euh, conceptuels dans la voilà dans la, ouais. la, la réflexion politique et ceux de McKinsey qui sont très esprit ingénieur, scientifique, on résout des problèmes. Ouais. Ça n'a pas toujours été, été très très En gros, les, un, un peu les voilà. intellos et, et les voilà, et les les lui me disait quoi il y en a qui voulaient vraiment mettre leurs pattes partout euh, ouais. dans, dans les boucles de projet, voilà. Donc lui, ça l'a ça l'a gêné. C'est lui qui a qualifié ça d'intrusif. C'est cet ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Donc euh, pas, pas une bonne ambiance entre les deux équipes. Pas toujours, pas toujours. Après, il y a eu beaucoup de dîners communs. Il y a eu voilà. Et il faut voir aussi que c'était une époque où ils étaient portés. Quoi Il y a avait. quelque chose à, Donc, il y avait, à inventer il, entre Je pense qu'il qu il, oui, il, il y avait quelque chose inventé et, et, et ici voyaient tous parce que au fur et à mesure de la campagne, Emmanuel Macron monte dans les sondages, il y a une dynamique qui se crée et ben bah, on se dit ah bah finalement peut-être que ça sera le bon quoi, le bon cheval sur lequel on a parié. Et bah justement ça fait la bonne transition pour parler de, de Karim Tadjedine, donc. Euh, Quelles relation euh, ils ont euh, Emmanuel Macron et Karim Tajeddin ils, ils se connaissent, connaissent depuis, se connaissent non. depuis, non. depuis Karim deux deux donc Karim ouais. Tajeddin donc le directeur euh, associé senior voilà euh, directeur associé asso alors public. ancien parce qu'il en est ancien parti. pardon il est euh, il a passé de mémoire euh, 16 ou 20 ans chez McKinsey donc du secteur public le de chez McKinsey euh, il, il était ces dernières années chef du secteur public Oui. Donc c'est lui qui, bah cette fameuse DITP, notamment ce guichet unique, c'est lui qui, qui répondait aux appels d'offres, en tout cas c'est son équipe, aux appels d'offres publics émanant des administrations et des ministères. Ouais. Et euh, il a des liens avec Emmanuel Macron qui remontent aux années 2007-2008. On en a ouais. parlé au moment de la commission Attali. Et ils se sont côtoyés depuis. Euh, et ce que me disait, euh, disait l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, c'est qu'à son sens... Et donc Karim Zaljin, c'est clairement celui qui a été le plus impliqué dans la campagne. C'est celui qui a utilisé son adresse McKinsey. C'est celui qui est dans énormément de boucles mail qu'on qu peut consulter dans les Macronics. Alors les Macronics ne sont plus en accès libre. Mais ils l'ont été à un moment. Nous, à Radio France, on les a, on les a conservés parce que c'est aussi une ressource... Mmh. De, voilà. Pour vous, hein. euh, évidemment, il ne faut pas les diffuser parce qu'il y a une grande partie, c'est de la conversation privée. Mm. Euh, mais ça peut être d'intérêt public d'aller mettre son, son nez dedans. Et donc, euh, voilà, Karim Tajini, c'est celui dont clairement qui revient le plus dans la campagne, qui est le plus investi, et euh, il a finalement, en euh, septembre 2022, sans que ça soit trop médiatisé, euh, quitté McKinsey pour cofonder ah. un une autre agence. Il n'est plus chez McKinsey. D'accord. Et du coup, ce qui pouvait être problématique, j'imagine, avec lui, c'est qu'en fait, euh, vu qu'il était, entre guillemets, haut placé chez McKinsey, du coup, lui, il ne pouvait pas intervenir. À titre individuel, dans la campagne d'Emmanuel Macron. Bah, en tout Macron, cas, c'est une question que vont sûrement suite se associé, poser les ouais. juges, c'est que euh, Karim Tajeddin est directeur associé senior. Donc ah à oui. ce titre, il a des actions de McKinsey et en est l'un des dirigeants. Et chez McKinsey, les, les, les décisions nous, disent, nous dit l'ancienne consultante se prennent de manière collégiale entre seniors partners, c'est-à-dire mmh. entre directeurs associés seniors. Et donc, est-ce que son engagement dans la campagne, sachant qu'il est directeur associé, mmh. se fait à titre individuel ou le fait qu'en plus il a emmené ses proches, dont Mathieu Mocor, dans la campagne, on peut considérer qu'il a amené une équipe de McKinsey Ça, ça sera la justice de trancher. OK vingt 3484 qui dit bonjour à tous, merci pour ces nouveaux éléments concernant ce cabinet de conseil. Est-ce que d'autres pays ont eu ce genre de prestations pour des candidats Ça, c'est vraiment si jamais tu sais, mais... Ça, je, je suis désolée, Gigi, je ne vais pas pouvoir te dire. Ouais, voilà. <laughs> Désolé vingt euh, 3484. Et puis le droit est pas forcément, nous en France c'est vraiment bah, très oui. clair, une entreprise, ce n'est pas le cas aux États-Unis par exemple, mais une entreprise ne peut pas faire de dons financiers ou de dons matériels à un candidat, c'est interdit. Et euh, donc le, le, la question qui se pose aussi, c'est donc, euh, on tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais c'est est-ce euh, que les prestations, elles ont été faites sur du temps libre ou sur euh, du temps de travail En gros, quand on lit ton enquête, il y a un peu deux, deux versions qui s'opposent. Celle d'Olivier, donc pareil, euh, c'est euh, un faux prénom, qui faisait partie donc, de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2016 euh, et en 2017. Ouais, les deux années pendant la campagne. Quoi. Voilà, et il dit, euh, on se voyait le soir et le week-end. Euh, au siège d'En Marche à Montparnasse. Et par contre, euh, Thomas, euh, le conseiller d'Emmanuel Macron. Ouais, lui, ouais. il ne te dit pas tout à fait la même chose. Alors, encore une fois, c'est un prénom d'emprunt pour Bien sûr. les deux. Non, fois... lui me dit que ça pouvait être le soir, le week-end, mais aussi en journée. Ouais. Euh, sachant que dans les, dans les Macron-Leaks, quand on regarde toute la correspondance, notamment de Karim Tajidin, il hum. envoie des mails euh, parfois à 11h, un jour de semaine. Quoi. Donc, ce n'est hum. pas, pas sur son temps libre. Euh, L'ancienne La scène de McKinsey disait ça a pas tellement de sens de raisonner en Elle te dit même qu'il y a une blague qui ouais, circule quand elle y était il y avait une blague c'était qu'il y a autant de gens le week-end chez McKinsey que le semaine parce que bah parce que c'est des, des journées de 60, des semaines de 60 heures c'est énorme mais voilà. Donc ça, ça sera vraiment à la justice de trancher, sachant que donc forcément ils vont à un moment donné, si ce n'est déjà fait, euh, s'ils existent encore, parce qu'après il y, y a la question de qu'est-ce qui a été gardé ou pas par McKinsey. Mm. Et le siège de McKinsey a été euh, perquisitionné en, sur les Champs Élysées, a été perquisitionné en décembre. oui Un certain nombre d'éléments ont été saisis. Je ne sais pas si finalement ils ont pu mettre la main sur les plannings, mais mm. euh, sur les plannings il y a les, quelle équipe est staffée, euh, je reprends vraiment la, un, un mot euh, du, du cabinet, mais <laughs> sur tel projet. Tu vas finir par euh, parler ouais. comme eux. <laughs> euh, et donc, on, peut voir, on pourra peut-être voir qui était où, à quel moment. Euh, ou pas, parce qu'un directeur associé senior, euh, il n'a pas forcément à répondre, il ne va pas pointer, il n'est pas à l'usine. Euh, cicatrice EU qui dit y a-t-il une suite à ces enquêtes Doit-on euh, attendre une saison 2 euh, McKinsey la France, qui... oui, on oui. va continuer, notamment sur, euh, voilà, sur la suite. <laughs> et puis, euh, après, je peux que vous conseiller, il de, de, y a eu de, le livre Les Infiltrés qui est très, très bien documenté. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat est vraiment ouais, très y a est choses... accessible en plus. C'est une mine d'information. Et puis, tous les articles des confrères, euh, Mediapart, L'Obs, euh, oui. Le Monde. Euh, voilà, c'est on on est, est un, un devoir de démocratie et d'intérêt public d'enquêter sur ce genre de, de sujet. Ce n'est pas évident. Quel, euh, à quelle difficulté, toi, tu t'es heurtée en tant que journaliste, bah, les euh, investigatrice Là-dessus, c'est rare qu'aussi peu. J'ai commencé à m'y mettre euh, au moment de l'ouverture des deux informations judiciaires en octobre. Ouais. Et euh, j'ai rarement eu un sujet où aussi peu de gens te répondent. Euh, voilà, que ce soit les anciens de la campagne, mmh. les anciens conseillers de Macron, les anciens de chez McKinsey et les gens actuellement chez McKinsey. Finalement, on a eu suffisamment de rencontres euh, parmi toutes ces personnes qu'on a pu voir, mmh. mais c'est compliqué, c'est une première fois, vous les voyez. Bon, c'est quand c'est une enquête des en cours, voilà, euh, c'est pas bien facile bien sûr, aussi, j'imagine. Enfin, Mais disent, je pense on quand attend. même qu'il y, y a un petit déclic de, de par tout ce qui sort euh, par le, le rapport du Sénat, où les gens se disent, ouais, euh, j'ai eu là, à partir de janvier, des gens qui ont accepté de me rencontrer, notamment mmh. cet ancien conseiller Emmanuel Macron, cet ancien membre de la campagne que j'avais vu avant les fêtes, euh, qui commence à, à parler parce que... Euh, bah, Est-ce que finalement euh, ils ont peur d'être rattrapés par la patrouille Je ne pense pas que ce soit le cas de toute façon parce que ce n'est pas eux qui sont en cause. Euh, c'est euh, le dernier ou... mandat d'Emmanuel Macron. Voilà, aussi donc Il y euh, en aura un Il y en aura un autre. Après, chose, ou c'est aussi des gens qui ont peut-être pris à un moment donné leur distance. Mais, euh, ça, ça, voilà. mais c'est vraiment difficile parce que McKinsey, c'est un cabinet où le réseau d'anciens est très, très, et l'actuel et mmh. est très, très fort et assez euh, voilà, constitutif d'une personnalité de quelqu'un pour trouver du travail. Voilà, on fait appel à son réseau McKinsey. Mmh. Donc, euh, ils veulent pas cracher dans la soupe. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Quoi. Et euh, pardon, j'en profite pour remercier euh, France Télévisions qui nous a fait un petit raid tout à l'heure. Donc, France Télé était en train de, de streamer euh, sur Twitch et ils nous ont envoyé euh, les, les gens qui étaient sur, euh, sur leur chat. Donc, merci euh, France Télé. Et est-ce que tu as contacté euh, Renaissance Oui. Alors, ils nous disent euh, donc Renaissance X. En marche. Hein, oui, à oui, oui, pardon. Nom. Mais euh, ils nous ont dit deux choses c'est que les protagonistes, c'est-à-dire les gens qui ont fait les campagnes chez eux de 2017 et 2022, parce qu'on oui. va y revenir, la justice enquête aussi sur 2022, euh, euh, les, les, les personnes d'En Marche qui ont participé à ces campagnes se tiennent. Et se sont tenus à la disposition de la justice pour répondre à ces accusations. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé leur réponse. Ils me disent aussi qu'ils veulent pas commenter d'instruction en cours. Voilà. Donc, en gros, ils se, ils se tiennent à la disposition de la justice. Euh, je fais une petite aparté. Le, la justice enquête aussi sur les, sur le, les cabinets de conseil dans les comptes de campagne 2022. À ma, connaiss... enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de oui. McKinsey en 2022. Mais voilà. en tout, tout cas, ce n'est pas que 2017. Ce pas est... que 2017, voilà. Moi, là, j'ai travaillé sur 2017. Alors, on pourrait se dire, oh, bah, dis donc, ça fait tard. Bah ouais, mais il y a le temps que les gens... Voilà, ça a été cadenassé, verrouillé pendant longtemps. Donc, on commence enfin à avoir un peu des témoignages qui sortent. Et est-ce que... Euh, qui d'autre tu peux aller voir, en fait, quand enquêtes là-dessus euh... Euh, d'anciens de, de, euh, salariés de McKinsey, euh, des politiques. Et qui... Des gens des cabinets, ouais. des, mm, des, gens des Des, des frondeurs, d'anciens oui, macronistes. Oui, oui, oui. Bah, en fait C'est vrai que. Alors, ça, c'est vraiment de man manière générale. Hein. Je ne dis pas que ça a été le cas cette fois-ci, mais quand on cherche une source, mm. euh, il faut toujours regarder, par exemple, dans une entreprise. Encore une fois, là, je ne parle, parle pas de McKinsey, mais euh, qui en est parti récemment et pourquoi il en est parti là, ça mm. peut être quelqu'un qui éventuellement peut. Euh, avoir des informations à communiquer. Quelqu'un qui peut ouais qui peut cracher des infos entre qui guillemets Oui, ouais, ouais ouais pour extréquise raison mais qui peut pouvoir en donner ouais. Et est-ce que euh, là euh, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir euh, qu'est-ce qu'on enfin je veux dire le, le le, les résultats des, des enquêtes judiciaires qui sont en cours, on les on connaîtra ah ben long. quand C'est long. long, surtout qu y en a une, on n'a a pas parlé, mais il y en a une troisième. Il y a une enquête, à la base, une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale euh, qui a été ouverte au printemps dernier par okay. le par Le PNF, parquet national financier, c'est parce que McKinsey est suspecté de ne pas avoir payé ses impôts en France. Okay. Ça, c'est autre chose. C'est au moment où Karim Tajeddin a parlé devant le Sénat, il a dit on paye nos impôts en France, et en fait, euh, il paye les charges sociales, mais visiblement, les impôts, ça passait par la filiale, la filiale qui est dans le Delaware aux États-Unis. D'accord. Donc, ça, c'est une première enquête préliminaire. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un juge d'instruction qui enquête, c est, c est, ça reste au niveau de l'enquête préliminaire avec un service enquêteur, euh, donc au niveau du parquet. Ensuite, le PNF, donc toujours, a ouvert deux informations judiciaires dont tu as parlé, une pour minoration des comptes de campagne ou mmh. soupçon de financement illégal et une autre pour favoritisme. Le temps de la justice, ce n'est pas du tout le temps médiatique. Ouais. Les informations ont été ouvertes, donc ces deux euh, instructions ont été ouvertes en octobre. Les premières perquisitions, c'est en décembre, le siège de Renaissance, le siège d'En Marche. Mmh. En janvier, il y a eu le domicile de Karim Tajeddin et le domicile euh, de, de, euh, de personnes de Renaissance et euh, de dirigeants actuels de McKinsey. Et là, le 22 mars, c'est la... la un Ancien proche Emmanuel Macron qui a été perquisitionné, je ne sais pas qui c'est, mmh. et euh, Clarisse Manian qui est la directrice France de McKinsey. Il n'y a pas encore eu les auditions, à ma connaissance, il n'y a pas eu encore les auditions de toutes, cette toutes ces personnes de McKinsey, à ma connaissance, secret d'instruction. Donc euh, il faut être prudent. Euh, donc tout ça, ça va prendre des mois et des mois. C'est un temps qui est, euh, qui est long, qu'on a vu dans l'affaire Big Malion. Euh, donc ce n'est pas, pas, pas pour tout de suite. Et est-ce que euh, ces affaires, Big Malion, McKinsey, euh, est-ce qu'elles. Euh, C'est peut-être déjà le cas, je, je, je t'avoue que je ne me suis pas renseignée, mais est-ce qu'on peut espérer qu'elles donnent peut-être naissance à des lois euh, pour Alors, mieux y a le Sénat, encadrer tout y a le ça Sénat qui avait fait, grâce à, à Eliana Sassi, qui était la rapporteure de la. La commission d'enquête sur l'influence des cabinets de, de des cabinets le de conseil. conseil. Euh, commission d'enquête, donc c'était elle la rapporteure et c'était Arnaud Bazin, LR, le, le, le président. Il y a eu un amendement transpartisan qu'elle a déposé au Sénat en décembre de mémoire pour mieux encadrer euh, bah, toutes oui. ses prestations. Et puis en fait, c'était à, à la loi de programmation budgétaire, mais en fait, vu qu'il y a eu le 49.3 pour la faire passer, cet amendement n'est pas passé. Donc elle espère le remettre à l'ordre du jour. D'accord. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il y a clairement une initiative politique assez transpartisane pour limiter les montants, le nombre de contrats mmh. euh, des cabinets de conseil. Et dans le chat, il y a Kyle CM qui te demande... Euh, alors, non, je ne sais plus si c'est... Pardon. Je ne retrouve plus le, le message, mais je m'en souviens. Euh, si c'est POJO 25, pardon. Est-ce que McKinsey t'a... Contacté ensuite derrière pour connaître l'identité des sources, en non, gros, ce que bah tu as subi des pressions Ça, 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 ça bon, s'il le faisait, ça serait quand même. Ouais. Non, ça, ça c'est le secret des sources, ça, c'est vraiment. Euh... Non, ça, ça mais même devant la justice, on ne donne jamais ses tout sources. Voilà. En France, en tout cas. En France, non, non. heureusement, sinon il n'y aurait pas d'enquête journalistique. On protège évidemment les personnes qui nous parlent. Après, la justice fait son travail, auditionne qui doit auditionner. Mais non, non, que ce soit alors, évidemment pas McKinsey, mais la justice non plus. Je, on ne donne jamais ses sources, c'est vraiment le, le B.A.B.A. Et donc, Kyle qui demande combien de temps ça t'a pris pour faire cette enquête alors, je n'ai pas fait ça exclusivement parce que depuis, euh, bah, début d'année, j'ai bossé sur Noël, le Gret, les sujets sont divers. Hein. Ah oui, tu bosses sur plusieurs enquêtes oh, en même temps. Sur plusieurs enquêtes, mais McKinsey c'était tellement au long cours et je me suis pris tellement de vent. <laughs> <au> T'as <départ rire> bien. bien voilà, galéré, quoi. Mais j'ai vu les gens au fur et à mesure euh, et puis oui, parce un que travail, au départ euh... vous voyez les gens puis ils sont pas ils vous disent des choses, mais même en off ils disent vous ne l'utilisez pas. Donc vous dites, bon, et après vous les revoyez en disant ça serait quand même bien que je puisse utiliser ça ou ça ou ça. Oui. Bon, et puis après vous voyez quelqu'un d'autre qui dit ok moi je peux, je, vous, je veux bien que vous utilisiez. Donc, vous revoyez une autre source pour lui dire Bon, est-ce que voilà vous êtes en parallèle avec Alcalie Vous n'êtes pas tout seul. C'est long à, à, mettre en, à mettre en place. Euh, professeur Wanabi qui dit Est-ce qu'il existe un système pour protéger les journalistes d'investigation de représailles du gouvernement mais il n'y a pas de représailles en France il y a pas de représailles là j'ai vu que sur Twitter il y avait des gens qui disaient, parlaient d'enquête à charge que c'était voilà que je révélais rien ça ils ont le droit de le dire ça pour le... c'était plutôt des, des gens qui étaient assez ça c'est du dit, commentaire alors... quoi. ils ont voilà mais non j'ai pas, j ai, j ai pas de... on est en France euh, Dieu merci non j'ai pas à attendre de représailles euh, la seule chose que je peux avoir c'est que les, les portes se ferment c'est quand je veux recontacter des gens on me dit, ah non non c'est bon on ne vous parle pas mais euh... Autre question euh, sur vraiment le, le, le travail de journaliste. Pour ce genre d'enquête, arrive-t-il. Est-ce euh, que ça arrive souvent de rencontrer des gens qui mentent euh, C'est une très bonne question. En très fait, bonne question. Quand on, EU. pour être sûr que les gens ne mentent pas, il faut les recouper. Donc, il faut leur demander des éléments. Par exemple, typiquement, l'ancienne McKinsey. Ouais. Euh, vous y étiez quand euh, Après, je ne peux pas vous dire comment, mais il y a faut des, des choses que j'ai pu quoi, vérifier. Il y a des dit. choses qu'elle m'a montrées où j'ai compris qu'elle y était bien entre telle année et telle année. Mm. Euh, elle m'a parlé de personne. Elle m'a dit des choses que je savais par d'autres sources. Et surtout, moi, ce qui est important, je trouve, c'est de demander d'où de demander les gens parlent. C'est-à-dire... Euh, je lui ai demandé à un moment donné pourquoi vous me parlez. Je ne peux pas vous le dire mmh. parce que ça l'identifierait, mais j'avais besoin de savoir pourquoi aujourd'hui euh, elle, elle, elle acceptait de, de donner un petit peu les dessous de tout ça. Donc tu lui dis a, que tu ne diras pas pourquoi, mais il voilà, pour y a une chose qu'elle m'a autorisée à dire, c'est que elle est choquée par le, par tous ces contrats, notamment pendant la, la, mmh. la, la crise euh, du Covid, euh, toutes ces, ces clés qu'on a laissées à McKinsey avec le côté on laisse McKinsey faire à la place de l'administration. Ça, ça l'a choqué. Okay. Mais voilà, ce qui est important, c'est savoir d'où la personne parle, euh, s'il y a... Euh... Pourquoi elle le fait Quelles sont ses fait, motivations voilà. euh, pojo 25 qui dit apparemment Wikileaks croisait les sources de trois personnes différentes qui ne se connaissaient pas. C'est sûr que c'est C'est ouais, ce qu ça. C'est la règle. Bah, merci beaucoup, euh, Géraldine. Allô Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Non, non, non c'était une première. On a, on a tout, euh... Merci aux gens. On ne dit pas les Twitos on dit comme sur Twitch, on dit les. Les viewers Les viewers les view Ouais, <laughs> les viewers. Bah, les Talkers. Ils s'appellent eux-mêmes les à Talkers. Vous. Bon, mais bah, trop bien. Alors, euh, Géraldine, go sur Twitch trop de pertinence. C'est le message. Il y a des gens qui demandent est ce que tu te crées une chaîne Twitch. 42 je, ans moins, je, lance euh, ça, je lance je... ça, Non, mais en vrai, bon après nous on vous invite dans ouais, le talk je suis ravie. Euh, la cellule investigation, on aime bien et tout, on l'avait fait aussi avec d'autres euh, d'autres collègues à toi. Mais c'est vrai que en fait, euh, on se rend compte, en tout cas quand on vous invite, euh, que les gens sont hyper curieux de savoir comment travaillent les journalistes qui font des enquêtes comme ça euh, sur euh, au long cours. Donc c'est quelque chose. Mais pour qui, nous c'est intéressant parce que c'est moins formaté, on a on a le temps en fait. C'est ce qui nous manque toujours à la radio. Voilà. C'est le temps et là on a pu on a pris quasiment une heure. Bon ben bah, t'hésites pas en tout cas si jamais tu, tu révèles d'autres choses, on t'invitera avec grand plaisir sur Twitch. Merci. Je rappelle Géraldine Allot, journaliste à la cellule investigation de Radio France. Pour les gens qui nous ont retrouvés en cou, en, en, en cours de route, qui ont raté le, le début ou qui sont même arrivés à la fin, n'oubliez pas que les replays existent. Euh, donc il y a les replays vidéo qui sont dispo une fois que l'émission est terminée sur Twitch et aussi sur YouTube. Euh, et puis il y a aussi euh, les versions audio. Qui sont donc diffusés sur, sur les applications de podcast, donc Radio France, Spotify, etc. etc. Donc n'oubliez pas, on vous renvoie aussi, merci au Modo, on vous renvoie toute une série de liens pour que vous puissiez approfondir le sujet, lire plein d'enquêtes sur cette affaire McKinsey, voilà. naviguer un peu de, de lien en lien si vous voulez faire ça de votre soirée. Voilà, on, on vous y invite. Et évidemment, l'enquête de Géraldine Allot, qui a été publiée sur le site de France Info, il y a aussi il y a France Inter et puis France ce matin Inter. la radio c'était le zoom de la rédaction sur France Inter et voilà. c'est mardi sur France Info et France Culture aussi et il y a eu France Culture oui. aussi bah, à 8h je crois ouais. du coup il y a voilà il y a, il y a plein de choses ce live sera-t-il en replay oui Karim B009 en replay sur Twitch une fois que l'émission est terminée et sur YouTube et en audio sur les applications de podcast. Ben merci en tout cas. Merci à toi. Ravi euh, ravi que tu sois venu. Merci à vous. Euh, le chat demain, on se retrouve à 18h au même endroit. On va parler de la Turquie. Voilà. La crise économique va-t-elle conduire à la chute d'Erdogan Grande question, on y répond demain. Et en attendant, ben bonne soirée. Merci beaucoup. Salut.